Go. Et c'est le meute, on est reparti pour un nouvel épisode bien évidemment de Darksiders 3. On continue les aventures de Miss Fury. Attends, alors le viseur me met par là. Okay. Ah oui, c'est vrai que maintenant je peux faire comme ça, je crois. Enflammer. Ouais, ça va être cool par contre. Ça peut être très cool. Quand je vais peut-être vider la zone avant quand même pour voir si c'est des objets qui nous filent. J'adore le skin de ces anges mort-vivants là, avec les ailes noires et tout. Suivant. Une grande nuée, un amas. Amation obscurus, les optimisations. Bon, je reste après. Je pense qu'il faudrait pouvoir peut-être abyssal pour libérer un truc. On verra bien à ce moment-là. J'adore la forme quand même de foudre. Et la blondinette en mode Super Saiyan, toi. Elle s'est cru pour Frieza, tu sais, avec sa position. Tu m'as pas un moment, ça c'est cool. Thank you.
qu'est-ce qu'il prend tout le temps le backstab en plus, j'ai une fois en fait. Quoi, c'est un. Ceci sera très divertissant pour chacun. Comme vous voulez. Ah. Même sous l'eau, c'est très beau quand même. Hein. L'armée de morts-vivants de Luxure s'étend à perte de vue. Tac, tac. Ah, d'accord, faut que j'enflamme les poches, ok. Faut que je m'en rappelle maintenant. Oh! Arrête!
Ok, donc ça c'est juste un raccourci qu'on a ouvert. Ah, enfin un morceau. Enfin un morceau. Allez hop. Ne pouvons-nous pas réutiliser cet interrupteur, maîtresse ? C'est là où ça commence à se corser, je commence à être paumé. Pour le moment, j'ai pas accès parce que le truc il est bou. Je suis trop haut par rapport à la bestiole. Ah quoi que, attends.
quoi ça? Des sacrés nouveaux cauchemars étaient-ce? J'ai tellement hâte de le découvrir. C'était du sarcasme. Maîtresse. Qu'est-ce que vous voulez ? Faut que je l'amène pour le traverser toute la map avec lui. Il est parti où? Je suis paumé avec ce truc là. Je suis paumé avec ça. Tu entends mais tu vois plus.
Bonsoir. Un petit Scorsese quand tu vois. Un dock, ouais, c'est les quais. Quand tu y a quelqu'un, il est sur les docks. Il est sur les quais. J'ai l'impression que la bestiole d'ici, elle a un petit peu bugué, non? Là, je suis perdu complet là. Là, c'est que j'arrive à
coup c'est ça, mais tout de suite. Ah bah oui. Plus facile comme ça peut-être. Le mec ça il cherche pendant une heure alors que le truc est devant lui, c'est super. On ramène ton cul là. Sérieusement. Non mais sérieux, c'est quoi ce décalage de merde qui me fout à chaque fois? Moi, si tu veux, ouais. Un petit côté, ça va encore. Là, t'as la version Sangoku Kaioken. La version Super Saiyan. La version Super Saiyan Goto. Non, non. Tu sais que t'es pas obligé de me sortir toujours cette même blague pourrie, un peu toi. On va pas t'en vouloir de te renouveler, hein. Décale-toi un chouïa par là, s'il te plaît. Ah d'accord, je viens de comprendre. Je ramène déjà une de ces bestioles là. Ouais, je pense, j'aimerais bien, après je sais pas quoi faire encore. Le problème c'est que au départ c'est je pensais faire un truc dans le même style que pour les 1000 abonnés toi. Je vous demande un petit message pour la fin d'année, etc. Mais s'il y a autant d'activités que pour cette chaîne là, pour cette vidéo, je dis peut-être pas non. Je sais pas, faut jouer encore. Ce qui me motivera à ce moment-là. Les gens les remercient, je fais ça tous les jours déjà poteau. Ce sera pas plus original de les remercier une énième fois alors que je les remercie déjà tous les jours.
C'est même le but de la vidéo des 50, des 1000 abonnés. Hein. Si j'ai pas envie, non. Regarde, pour ceux qui voulaient que je fasse de la pub pour leur chaîne, parmi ceux qui le méritaient, je vous ai tous contactés par MP pour vous demander si vous vouliez participer à la vidéo des 1000 abonnés. Et comme ça, ça me permettait de pouvoir vous parler de votre chaîne en même temps et faire la pub. Toutes les personnes qui m'ont vu y balader ou qui m'ont dit « Ah bah non, j'ai pas le temps, ah bah non, pas ça, machin, ça m'intéresse pas », bah ok, d'accord, bah casse-toi quoi. C'est là, je te donne la chance de pouvoir faire un peu de pub pour ta chaîne. Je suis pas content derrière, bah dégage quoi. Pour chanter avec son équipe, les films et ses prestations. Pourquoi ceci sera très divertissant pour chacun. Comme vous voulez, adieu. Pour le moment. Elle touche, il dégage. Voilà. Ça sent le fight. Moi je dis, ça sent le fight. Bon, elle est où Gozer là? Avoir dans le dos.
Bonne soirée à toi. On y retourne. Moi, l'avantage, c'est que j'ai récupéré mon effet lime. Et est-ce qu'il y a encore dans le live, les gars? Ok. Non, bah, c'est bon. Non, je demandais qui c'est qui est resté dans le live encore, qui était encore présent. Ah oui, quand même. Tu es sérieux? Non. D'ailleurs, tes hurlements de terreur le versent certainement. Oui, c'était du sarcasme. Je me demande quel de vous. Tu m'étonnes. Caméra qui veut pas tourner, putain. Sérieux.
T'as des chargements en cours de déplacement, c'est la misère ça toujours. Quand on cassait l'accès en plein milieu. Peut-être. L'un d'eux aurait pu changer depuis notre dernière. C'est un raccourci, tu viens d'ouvrir. Celle, ceci sera très divertissant pour chacun de nous, comme vous voulez. Je t'en prie. On voit les améliorations. On se concentre un peu pour avancer le maximum et après on part sur le Zelda. De quoi as-tu besoin ? Tu as l'intention de faire sacrément mal à quelqu'un, toi. Ah, quel magnifique chaos tu vas déchaîner avec ça. Ah, quel magnifique chaos tu vas déchaîner avec ça. Une de mes plus belles œuvres. Une de mes plus belles œuvres. Intéressant. Alors, voyons ce que je peux faire pour toi. Spectre obtenu lorsque tu brises des objets. Le premier c'est ça, régénération, et le deuxième c'est... Ok. Moi ce qui m'intéressait c'était surtout régénération de santé par minute. 30 points. J'aurais pas cru que c'était possible, mais tu es encore plus redoutable qu'avant. C'était possible, mais tu... Oh, quel magnifique chaos tu vas déchaîner avec ça. Intéressant. Fais attention à toi. Surveille tes arrières. Ce système, vous voulez prendre, comme vous voulez prendre en temps. Vous voulez, je t'en prie, prends ton temps. On va voir ce que notre petit Léviathan géant a à nous dire.
Cet endroit n'est pas particulièrement empreint de luxure, je trouve. N'as-tu rien appris? Les apparences peuvent être trompeuses. De plus, la luxure ne revêt jamais l'apparence que tu imaginerais. Que voulez-vous dire par là exactement? La notion de péché est une chose, celle de luxure en est une autre, complètement différente. Surtout pour l'humanité qui ne distingue pas luxure et désir. Je vois. Comme le désir de... De tout ce que tu veux. Les humains ne manquent guère d'imagination. Ils confondent luxure et désir et ne vivent pourtant que pour cela. C'est ce qui rend la luxure si dangereuse. Trop dangereuse, maîtresse? Rien n'est trop dangereux. Hop. Bon, bah je présume que c'est lui. Saurais-tu deviner ce que je désire? Dans ce monde brisé, que pourrais-je encore vouloir? Le pouvoir. J'ai pourtant toujours cru que tu étais la plus intelligente. Quel dommage. À quoi dois-je ce véritable plaisir? Après tout, recevoir la visite d'un légendaire cavalier? Je ne suis ici que pour une chose. Oh, la violence est-elle vraiment la seule issue? Tu as déjà mon respect. Ton respect ne m'intéresse aucunement. Je ne veux que ta tête. Allons, Furie. Je ne suis pas une barbare comme les autres. Non, nous n'avons pas besoin de nous affronter une deuxième fois. Je te laisse l'annoncer au Conseil Ardent. Le Conseil Ardent n'est pas ici, alors, au lieu de cela, je te le dis à toi, reine des cavaliers, puissante, armée de la bise de flamme, d'une lame croix, de ton fouet légendaire. Tes distractions ne m'atteignent pas, Luxure. Vraiment? La vérité est souvent source de distraction lorsque l'on vit un mensonge. Tu parles comme si nous étions des ennemis naturels. Pourquoi cela doit-il être ainsi? Je connais mon rôle dans l'univers. Toi, en revanche, as-tu déjà pris le temps de remettre en question le tien? Tu es cavalier, mais pourquoi? As-tu fait ce choix? Et si oui, quel était ton raisonnement? Tais-toi et combat! Tu ne sais même pas pourquoi tu combats, n'est-ce pas? Tu combats pour tes frères? Bien sûr que non. Ton antagonisme envers eux est connu de tous. Cherches-tu à établir une sorte d'équilibre? Ah, tu n'as jamais cru au plus grand bien dès lors qu'il ne servait pas à tes intérêts. Il y a un sacré paquet d'aliasing quand même, hein? Non, non. Non, ce que je vois dans tes actions, c'est ton désir, ta convoitise. Une soif de pouvoir, de privilèges et de protection contre l'inévitable chute des Néphilim. Au final, cela fait de nous des alliés? Ne crois-tu pas?
Discord, non? Arrête, Fury. Mort. Que fais-tu? Que faites-vous tous ici? Ne sommes-nous pas quatre cavaliers unis? Nous sommes venus t'apprendre que notre mission est accomplie. Notre mission? J'ai anéanti les autres déchets. Mort a obtenu la libération de guerre et l'a innocenté. Et surtout, le plus important, nous avons révélé une grande conspiration. Quelle conspiration? Les cieux et l'enfer ont collaboré en secret pour provoquer l'apocalypse, bien plus tôt que quiconque ne pouvait le souhaiter. Le Conseil Ardent nous a envoyés, ensemble, semer le chaos dans les deux camps. L'équilibre sera restauré. Les âmes perverses seront châtiées. Tu veux dire tout ceci? Nous devons renverser les souverains dans les deux camps. Et en l'honneur de ton inébranlable fidélité envers la cause, le Conseil a décrété que désormais, tu mèneras les cavaliers. C'est toi, Fury, qui inaugurera une ère nouvelle sur la Terre. Bien sûr. Enfin, tout prend finalement une sorte de sens divin. Vraiment? Maîtresse, n'est-ce pas tout ce que vous désiriez qui vous est enfin offert? Fais table rase du passé, sœur. C'est une... Aujourd'hui, nos vies sont à ton service. Ouais. À mon avis, c'est une connerie de Luxure, quoi. C'est une hypnose de Luxure, toi. Faut pas qu'elle se fasse savoir. À mon avis, c'est une connerie. Rien de ceci n'est vrai. Ouais, t'es sûr. Discord est stylé. Et honnêtement, le prochain Dark Sider sera lui. Hein. Ouh. Ça valait le coup d'essayer. Tu crois vraiment si bien me connaître? N'est-ce pas ce que tu désires plus que tout? Le pouvoir de diriger comme tu le souhaites? Ce qui n'était qu'une illusion pourrait bientôt devenir réalité. Si tu écartes les désirs des autres et privilégies les tiens, en fin de compte, c'est à toi seul qu'appartient le choix. Alors, Discord est stylé, je trouve. Le prochain Dark Sider sera Discord. Vas-tu les faire s'agenouiller? Même si je faillis, tu te demanderas toujours ici. Épargne-toi cette torture et rejoins-moi maintenant. Tu m'éteins. Tu prends cher tellement rapidement. Tout ce temps passé au service des autres. Rejoins-moi, Archange. Oh, Ezeiel, tu me flattes. Plusieurs voix qui se coupent l'une sur l'autre. Jamais tu ne ressusciteras. Nous avions un accord. Recule. Allons, pourquoi ferait-il cela? Il sait pourtant qu'un accord avec toi n'est guère aussi tentant qu'un accord avec moi. Ne l'écoute pas. Je peux rendre à tes doux petits anges la gloire qu'ils ont connue. Oui, si tu acceptes de me protéger de cette affreuse femme. Uziel! Et ne serait-ce pas un instant glorieux lorsque tu franchiras les portes des cieux à la tête de ton armée dans toute sa puissance? Oh, tais-toi! Et que tu restaureras la vérité et la justice en ce lieu corrompu? Ta vérité, Archange Uziel? Les cieux sous ton commandement. Non, il va nous le retourner contre nous. Ne serait-ce pas merveilleux? La 7ème Légion. Vivante et entière, restaurant la gloire. Notre accord est révoqué. Non, Uziel! Que tout ceci va être amusant. Bâtard. L'enculé. Ah, j'ai les deux contre moi! Sérieux? Eh bah, ça va y aller comme ça, hein? Ceci est ton dernier. Je
ne sera pas un. Gloire aux cieux! Nous aurions pu former un couple de souveraine sans égal. C'est la vie. Des renfteurs. Qui t'a donné le pouvoir de lever les morts? La seule et unique constante dans l'univers. Les plus puissants sont ceux qui, inévitablement, désirent toujours plus de pouvoir. La luxure est insatiable. Sache ceci, je n'étais qu'un pion. Un sentiment que tu ne connais que trop bien, Fury. Les anges qui ont tué ton destrier, des pions eux aussi. Alors, qui? Dis-le-moi. Les joueurs qui disputent cette partie se dévoileront en temps et en heure. Et si je te révélais quelque chose d'encore plus précieux? Épargne-moi, et je te révélerai l'endroit où se trouve un autre des péchés, l'envie. Et pourquoi ferais-tu ça? Quelle raison aurais-je de protéger cette lâche pleurnicharde? Elle n'a jamais combattu sur les lignes de front, elle. Elle n'a jamais connu les horreurs de la guerre. Elle est la plus pathétique de nous tous. Laissez-moi atteindre les abords de Haven, et ce que tu désires t'appartiendra. C'est une offre attrayante. Mais je suis fatiguée de vous entendre sous-estimer mon intelligence, toi et les tiens. Je trouverai moi-même les autres péchés. Surtout qu'en plus que envie, on l'a déjà. Au fond de toi, tu n'auras jamais été qu'un vide infini que rien ne pourra jamais combler. Quelle déception! Et l'ange qui se relevait d'air. Achève-moi! Je suis prêt. Je ne crois pas, non. Maîtresse! La tentation du pouvoir qu'offre la luxure est enivrante, surtout lorsqu'on est consumé par le chagrin. La transgression d'Uziel est pardonnable. Une fois. Je possède une meilleure compréhension de ce qui est arrivé à la Terre et des enjeux de ces événements. Mort, tu ne me serais d'aucune utilité. Si nous espérons survivre, tous autant que nous sommes, nous devons accepter de conclure des alliances. Une alliance avec lui? Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu me rendras l'appareil. J'en aurai peut-être bientôt besoin. Ma parole n'a peut-être plus aucun poids, mais ma vie t'appartient, Fury. Si j'entends parler d'un complot contre toi, je t'en informerai. Qu'est-ce qu'il dit comme... avec ses quatre ailes et tout. Venez de faire preuve de miséricorde envers un ange abject. Il n'hésiterait pas à empaler votre tête sur une pique. Es-tu une guetteuse, oui ou non? Tu devrais faire preuve de plus de discernement. L'enjeu de notre quête est la sérénité dans le monde. Et la mienne aussi, il semble. La luxure m'a révélé ce que je pourrais devenir, et ce n'est pas ce que je veux être. Et que voulez-vous être? Je crois que je suis ici pour le découvrir. Et c'est parti pour obtenir le dernier pouvoir. Enfin, le dernier pouvoir, je pense. Avec le pouvoir abyssal, les cheveux violets. Ouais.
De toute façon, dans tous les cas, c'est un ange, c'est sûr, mais après, je sais pas trop si c'était un archange ou pas. J'ai l'impression que c'était plus pour lui dire comme quoi il avait monté en grade quand il l'a traité d'archange. C'est le commandant, en tout cas, d'une des légions. Bah, l'abyssal sera le violet, de sûr. Mais après, je vois pas quelle autre couleur on peut avoir. Ah si, je crois qu'il y a un bleu. Très étrange. À chaque nouveau défi, ta personnalité se révèle plus complexe. Que voulez-vous ? Toi et moi sommes douloureusement conscients de l'interminable parade de personnages qui nous inflige l'histoire. T'as fini de faire du bruit. Ces créatures sont pathétiquement obsédées par une quête unique. Et ironiquement, ces créatures sont complètement dénuées de sens. Venez-en au fait, Seigneur des Abysses. C'est tellement surprenant, non, rafraîchissant, de voir un être évoluer dans la direction opposée. Tu acquiers une plus grande conscience des défauts qui t'ont si longtemps tenu enchaîné. Des défauts ? Dois-je en dresser la liste ? Non, merci. J'en ai bien assez vu pour avoir conscience de leur nombre ces derniers temps. Et c'est précisément la raison pour laquelle je te remets ceci. Et lorsque tu le tiens en main, tu détiens la puissance indomptée de la force. Il vibre dans ma main. Je ne comprends pas. Le moment venu, tu sauras quand et comment l'utiliser. Non, pas encore! Le violet, comme ça on peut dire que c'est. Allez, c'est quasiment le. Attends, donc tu as. Le Kaioken. Super Saiyan Goto. Et Super Saiyan Rosé. Ah, d'accord, c'est. Je comprends mieux comment on fait pour péter le. What? Comment tu peux faire péter le truc là? Ok, tu te mets dans une boule et t'exploses. Ok, ça peut, ouais. Salut, ceci sera très divertissant. Comme vous voulez, prends ton temps. Comme vous voulez. Adieu pour le moment. Et Super Saiyan Blue, ouais. Le maillet du mépris. Mépris est le nom de la garde dont Fury se. Attends. La bise de force permet de rassembler, de concentrer l'énergie sous une forme précise, afin de porter des attaques d'une puissance phénoménale. Lorsque Mépris adopte une apparence de marteau géant, Fury peut briser les défenses de ses ennemis et infliger de lourds dégâts. Ça a l'air pas mal. Ah bah tiens, je peux déjà l'améliorer un peu. Éclat d'adamantium, je peux déjà l'améliorer un peu. Ceci sera très dit comme vous voulez, je t'en prie. On améliore un chouïa et après on coupera là. Enfin en tout cas on peut couper là même le temps qu'on fasse ça. Donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, évidemment, à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si cette vidéo vous a plu. Je vous dis bien évidemment à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace.